expliquer. Donc, le capitaine est là, on vit ce quotidien ce jour, et tous les jours. Et donc, je pense qu'à ce niveau, j'ai essayé de travailler à ma manière pour pouvoir mettre ce groupe-là en place, et surtout au niveau psychologique. Et l'équipe aussi qu'on va présenter demain, il faut le dire aussi, comme j'ai dit, c'est un peu difficile dans le travail que j'ai mis en place, mais déjà, il y a quelque chose de fondamental qui est là. Donc, on va utiliser ce moyen-là parce qu'il va nous laisser assis des matchs à jouer et repartir avec un résultat positif. Et donc, on ne peut pas se fier à ces problèmes et reculer. Donc, il faut faire face à ces problèmes et les relever. Après, maintenant, tu dirais que tu es un homme. Et voilà, donc les difficultés sont faites pour les hommes conscients, mais ce n'est pas fait pour les faibles. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je ne choisis pas un terrain pour jouer. Et je suis formé pour ça. Quel que soit là où on me dit d'aller chercher les résultats, je vais travailler pour ça. Voilà, donc j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis venu à DCMP, c'est par rapport à un travail aussi au Pléa que j'ai fait avec le RCK et Kadiogo et au Burkina qui était champion. Et c'est dans sur cette lancée que le DCMP m'a contacté. Et c'est tous les matchs qu'on a eu à jouer au Burkina, on jouait qu'à l'extérieur. Nous jouions souvent au Bénin et on pas jouer ailleurs. Donc on a eu même les qualifications ailleurs et les résultats à l'extérieur n'étaient pas aussi clairs. Bon, quand je prends la Champions League, c'est face à Vita. Et sur la qualité dans les jeux et tout ça, là, on était au-dessus, mais on a perdu par naïveté au tir au but, dit à la jeunesse aussi de la compétition. Donc et dire aussi la pénalité hier, c'est bien quand tu joues ce soir, mais une certaine pression aussi quand tu es ce soir. Donc c'est à nous de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a cette difficulté qui est là, il faut que nous enlevons pour dire que nous recevons à l'extérieur, nous devons faire face à cette difficulté et puis aller encore plus loin.